heures, samedi matin, 3h. Avec le brouillard. Le jour se lève, même si c'est pas évident, mais je vous assure, le jour se lève. Elle est où? Elle est là. T'as pas mal, louloute? Bah oui, fais le voyage. Oh là là, fais le voyage. Et pour un peu, on se croirait en hiver. La Loire. Moi, j'aime bien la Loire. Parce que quand on est à côté de la Loire, ça veut dire qu'on n'est pas loin de chez Tata. Enfin, quand on est ici, hein. Parce que la Loire, 200 km plus loin, ben, on n'est pas à côté de chez Tata, évidemment. Bon, t'as retrouvé Jack? Alors, Jack, c'est le papa de l'Éden. Oui. Ça, c'est le papa de l'Éden. Oui, Jack, oui. Enfin, Jack, oui, qu'on n'a plus, en fait, parce que bon, après la bêtise qu'il a fait avec Flamme... Jack, il a plus ses haricots magiques. Eh oui! Qu'est-ce que tu fais, Alaska? Je rebois encore ma gamelle de Jack. Jack, il aime bien des bonbons aussi, mais ça peut être possible, Jack, oui. Derrière cette porte, il y a un chat qui n'est pas spécialement heureux d'être enfermé derrière cette porte. Laska, elle, pense qu'il est enfermé derrière l'autre porte. Ah, quand même, au bout de 5 minutes, Laska a compris où était réellement le chat. Aska! Eh, viens! Allez! Eh, viens, ma louloute. Oui, attends Flamme, je peux rien faire Flamme. Et ça c'est Lizzie. Ça c'est Lizzie. Avec maman, avec Link aussi. Viens Link. Jack, Jack, allez. Laska. Allez, venez. Gaëlle, il appelle la chienne. Allez. Laska, viens. Viens Link, viens. Oh bah oui, mais il y a du monde là à la maison. Alors bon. Link. Allez, au revoir Link. Loup. Je te laisse le maintenir, Karine. Il va falloir le maintenir, hein. Je pense, hein. C'est pas trop chaud, hein. Faut que tu vérifies, Karine. Hein. Ah, bouge pas. Bouge pas, mon bouge pas. On va faire ça bien, t'inquiète pas. On va pas faire trop chaud parce qu'en plus, toi, tu viens du froid. Voilà. Voilà, mon bébé. Oh là 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 là. Regarde-moi comment tu es grosse couillou. Ah bah oui, c'est ça, je suis un chien de la campagne, je vis dehors. Je vis dehors. C'est comme ça pour garder le bien chaud comme il faut. Et on va frotter. On va frotter avec tous les shampoings et tout notre amour aussi. On fait beaucoup de choses pour frotter. Hein. Voilà ma puce. Reste debout. Oh, il va être beau. Il doit être beau, Pépère.
C'est pas assez mouillé. T'es sage, mon cœur. T'es bien, mon peu de verre. Oh, c'est bien. Un petit bijou. De toute façon, on va peut-être faire deux shampoings. Hein. Ouais. Parce que là, il y a de la crasse là-dedans. Il y a de la crasse là-dedans. On les tient bien. Purin. Pendant que Gaëline est en train de voir quel harnais on va lui mettre et est en train de l'ajuster à sa taille. Il est vraiment très patient, ce petit chien. Voilà, c'est encore un peu, mais je ne vais pas trop lui serrer. Non, mais voilà. Voilà. Pour que ce soit bien, on le resserra un tout petit peu pour le voyage par rapport au fait qu'on va s'arrêter sur l'autoroute. Mais voilà, ça va, Link ? Je suis encore humide. Oh, je suis encore un peu humide, mais je vais sécher. Voilà. Alors c'est un petit moment un peu émouvant celui-là, parce que nous on s'apprête à partir. Voilà, Link il est là et puis spontanément ben, il va devant la porte derrière laquelle il y a sa maman et sa sœur. Bah oui mon Link, hein. Tu leur dis au revoir. Là il y a la petite sœur Dizzy, il y a des trucs Dizzy qui sort. Voilà. Hein? Bah oui mon Link. Oui mon pépère, on t'amène dans ta nouvelle famille. Oui, tu vas être bien, tu vas voir. Tu vas être bien mon petit père. Avec Link qui découvre la voiture, qui découvre les essuie-glaces aussi, hein, bah oui voilà, et puis ben voilà il s'est installé sur mes genoux. C'est pas hyper sécure comme endroit, mais enfin bon, vu que c'est sa première fois en voiture on va rien lui dire, hein, bah oui non voilà. Et donc d'ici 3 heures on devrait être à la maison et il devrait voir sa famille. Voilà, allez. Salut! Je connais pas cette voiture. Encore une voiture! C'est la journée de la voiture, toi tu découvres ça aussi, hein? Mais bon.